Rappelez-vous, c'était en début de semaine, Anouk était à Wany avec Jean-Marie et Pierrot sur la fosse 99 bis. On y retourne aujourd'hui, mais cette fois pour parler musique avec le Métaphone, une toute nouvelle salle de spectacle révolutionnaire. Une salle de spectacle, elle-même instrument de musique. Voilà l'idée du Métaphone situé sur le site du 99 bis de Wany. D'une capacité de 1000 places, ce nouveau lieu dédié à la musique accueillera une trentaine de concerts par an. Mais rien que par sa forme, on comprend vite que le bâtiment ne manque pas d'originalité. Conçu en bois, en acier cortène ou encore en verre transparent, le Métaphone est un concept architectural unique au monde. L'architecture et le son, a priori, c'est complètement contradictoire parce que l'architecture, c'est lourd, c'est de la matière et le son, c'est juste de la vibration. Et en fait, on a travaillé sur cette association de comment arriver à faire, à unir le son et l'architecture. À travers des concerts, des captations vidéo ou toute autre création musicale, on pourra donc faire vibrer le Métaphone. Sur des plaques de bois à l'extérieur seront installés une vingtaine d'instruments sélectionnés pour l'occasion. Le carillon moderne est né. Les façades extérieures sont composées de panneaux de bois. Derrière les panneaux de bois, il y a, on va appeler ça un moteur, qui les met en vibration et qui vous permet de faire de la musique. Vous en avez 24 par façade, et donc ça vous fait quand même un bon choix. Vous pouvez fabriquer des matériaux sonores qui glissent sur les parois, qui s'en vont. Vous pouvez faire des points, des surfaces. Il y a quantité de ressources avec cet instrument-là, qui est le bâtiment lui-même. Construit sur l'ancien site minier, le Métaphone est la pièce maîtresse du projet de reconversion du territoire. Derrière ce concept innovant, c'est toute une cité de la musique qui est en train de se créer à Wany. La pratique musicale, c'est d'abord pour nos jeunes têtes blondes du territoire, l'antichambre des écoles municipales, l'antichambre du conservatoire, et en même temps ici, de la consommation culturelle, parce qu'on en a besoin dans ce territoire. C'est la seule salle de 1000 places que l'on a ici, purement dédiée à la musique, parce qu'on pourrait prendre une salle de sport et mettre 1000 places aussi. Mais parce qu'on a un besoin aussi, pour les groupes, on a des salles d'enregistrement, parce que les groupes du territoire ont besoin aussi de venir enregistrer leurs disques, et ça leur sera dédié ici aussi. À partir de vendredi et pour 3 jours, le site du 99 bis vibrera au son du Métaphone. Une quinzaine de concerts est en effet prévue. L'occasion de découvrir cet instrument de musique grandeur nature et de fêter les 1 an de l'inscription du bassin minier à l'UNESCO.